Cette salle, ben, j'y viens qu'une fois ou deux par mois. Salut les brutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo, road to Ragnarok sur mon entraînement en salle. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que quand je viens sur l'île pour le travail, pour des formations, des réunions, j'ai pas le temps de m'entraîner chez moi ce jour-là, du coup je m'entraîne en salle. Donc je m'entraîne dans la salle d'Omios à Lille. Donc cette salle est pas mal en fait parce que je peux payer à la séance, donc 5 euros la séance. Alors par contre, niveau matériel, comme vous pouvez voir sur la vidéo, il n'y a pas grand chose. Il y a une grande place aux machines cardio, rameurs, vélos et autres. Aussi une place pas mal pour les cours collectifs et le crossfit. Et moi, j'y vais à 7h, il n'y a pas grand monde, il y a de quoi faire. Là, je vous mets une séance d'eau. Donc, vous pouvez voir, je commence par du rowing. Après, là, j'utilise une machine. Bah, c'est la première fois que j'utilise celle-là. Elle est vraiment pas mal avec le système des deux poignets. J'ai vraiment un bon ressenti au niveau des dorsaux, quoi. C'est vraiment agréable. Parti sur une petite série de tractions. Et là, j'utilise aussi une machine qui est dédiée pour les pecs, mais on peut aussi l'utiliser pour travailler le dos. Bon ressenti aussi. Il y avait une autre machine, je vais vous mettre la vidéo, mais par contre elle a été cassée. Donc j'ai pas pu l'utiliser. Alors c'est le problème avec les machines à charge guidée, des fois ça c'est pas terrible quoi. Je préfère celle avec les disques, comme là je vous mets la photo. Donc vraiment pas mal comme salle, mais bon,
manque un petit peu de matériel, mais bon, on arrive à se débrouiller, c'est un bon compromis, je trouve. Comme vous pouvez voir aussi, pendant ma formation, je lâche pas la diète. Donc voilà, je me fais mon petit plat que je réchauffe au micro-ondes et que je mange un café. Alors dans ma dernière vidéo, je vous parlais des vitamines et autres que je prenais, des compléments. Donc je vous ai montré ce que j'achetais à Action, dans le magasin Action. Et pour le reste, en fait, j'ai commande chez MyProtein. Donc là, justement, je viens de recevoir un colis. À chaque fois chez MyProtein, j'attends les réductions. Comme là, j'ai commandé ça. À moins 35% de mémoire. Attendez. Alors j'ouvre. Voilà. Bon, par contre, c'est un grand carton. Mais ce que j'ai commandé, c'est pas grand chose. Donc, il doit y avoir surtout du papier dedans. Parce que j'hallucine quand même. Là, je sais pas si vous voyez la taille du carton qu'ils m'ont mis. Pour deux boîtes comme ça. Alors voilà, c'est des tout petites gélules. Vous pouvez voir, c'est rikiki. Alors c'est un peu bête aussi, les pots, c'est pareil, chez MyProtein, c'est des pots standards. Donc là, il y a 180 gélules, mais c'est, comme c'est des tout petites, limite, ils auraient pu mettre un pot beaucoup plus petit. Donc voilà, vitamine D3 élite. Donc elle est très bien, il y a un très bon ratio dedans. Alors en plus, pour bien être assimilé, la vitamine D3, c'est une vitamine liposoluble, donc c'est bien de prendre avec des bonnes graisses. Et donc dedans, il y a de l'huile d'olive. Parce que des fois, on se tape de l'huile de palme ou des autres saloperies. Et là, c'est de l'huile d'olive. Donc voilà, vitamine D3. Généralement, j'en ai commandé deux. Je vais profiter de la promo. Donc voilà. Ouais, j'en prends 2 à 3 par jour. 3 quand même souvent. Donc voilà, vitamine D, la D3, donc surtout quand on vit dans le nord, c'est bien, surtout en hiver, quand on n'a pas de soleil. Donc voilà, je m'étais fait un petit stock de deux pots. Alors comme autre vitamine que je prends toujours chez MyProtein, Alphamen, donc c'est multivitamine, donc il y a un peu de tout dedans. Donc voilà, vitamine A, D, E, K, C. Donc ça, c'est des gros cachets comme ça, j'en prends 2 par jour, un le matin et un le midi. Donc pareil, acheté avec un code promo, donc j'en ai profité pour en prendre 240 d'un coup.